Le secret, votre série en français sur Dalena Bope TV, vraiment du nouveau, sérieux, bien sûr, avec vos acteurs préférés, Marina Laba, Los, Serge Luyeye, Anidia Sidiasi, Marina Ngoy, Mokania, Luna et les autres. Une série pleine d'émotions, drames et suspense. Suivez désormais toutes les séries en français, rien que sur Dalena Bope TV. Et surtout, abonnez-vous massivement. Mais en Europe, c'est mieux. Mais ton fils est en train de délirer. Pourquoi ça? Papa. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils dit que proposition. Je veux que je puisse étudier en Europe, maman et fils. Mais ici, il n'y a pas de bonnes études, il n'y a pas de bonnes universités. Mais qui te dit qu'il n'y a pas de bonnes études ici? Là, c'est selon toi. Où est-ce que ton père a étudié? Où est-ce qu'il a fait ses études universitaires? Tu sais, les enfants d'aujourd'hui confondent les choses. Hein? Il faut vous détromper. C'est pas parce que vous étudiez ailleurs en Europe ou aux États-Unis que vous serez quelqu'un de plus important que les autres. Non! Nous autres ici avions étudié ici. Vraiment. Et nous sommes ceux que nous sommes aujourd'hui. Ingénieur en plus. Ah? mon mari, c'est un génie. Hein? Et toutes les façons, Barik, pour t'étudier de ta tête. Parce que tu n'iras nulle part. Tu finiras tes études ici. Si c'est pour un tour, la personne ne va te le refuser. C'est ça. Tu vois, ta maman, elle fait des tours là. Elle est toujours jeune. Hein? Lutte contre la vieillesse. Elle est très coquette. Tu sais, des fois, quand je dis aux gens que c'est mon fils, les gens disent que je suis en train de mentir. Ils disent que c'est mon petit frère. Mais ils n'ont pas tort. Tu sais pourquoi? Parce que je veux que tu puisses avoir des dieux pour moi, pour personne. Et tu nous calmes. Hé, écoute les mains, les hommes, les hommes. Pourquoi ça ne m'a pas tablé d'ailleurs? Alors, mon déjà, moi je m'occupe de mon mari. Je n'ai que faire de tout. Toi, l'étoile est déjà passée de te faire manger. Ah, mais attends. Je vais faire jaloux. Je te fais quoi comme nourriture aujourd'hui chez George? Non, moi je ne mange pas les chocos, papa. Toi, c'est ton problème. Moi j'aime les pommes à des sous. Et moi, le compas est pour toi à cette heure-ci. Moi, je ne suis pas ta femme, là, mon ami.
Il a des amis de Yombe. Trouve-toi toi qui va faire ça pour toi, pas moi. Papa Mandos. Papa Mandos. Maman, papa. Une chose, je pourrais te demander ça pour de l'eau. Oui, oui. De l'eau. De chaud? De l'eau. Non, c'est pas ça. Ça va, chérie? Ça va. Narco! En fait, tu vas. Maman, dépêche-toi, s'il te plaît. Y aller déjà? Pas moi. Et depuis le matin, tu m'as déjà salué et tu viens encore, tu me dis bonjour. Et sinon, ça marche là-bas. Ça, c'est une manière de dire que papa, je quitte de l'argent, j'ai de l'argent. Maman. Là, tu demandes à qui même? À ta maman ou bien? Maman, mais c'est notre 10 dollars, ça pas suffisant. Donc, ça en suffisant. Tu es sûr. Pas de problème. C'est comme ça avec toi. Si ce n'est pas ta maman, c'est toujours toi. C'est pareil. De toute façon, je sais comment faire avec toi. Demoiselle, tu prends ça. C'est combien? C'est bon. Ça va faire combien de jours? Non, pas deux jours. 15 dollars par jour, ça va? Les 50 plus les 10. Donc tu reviens chez moi le vendredi parce que nous sommes partis. Ok? Allez, prends bien soin de toi, princesse. Maman t'aime beaucoup, tu sais. Papa, coucou. Ah, moi, t'as déjà ma bénédiction. Chaque le matin, je te dis. Tu finis, tu m'appelles. Je pense que tellement je suis à la maison, je viendrai te chercher. Un instant. Le monsieur là qu'on avait choisi pour le film Koué. Très agité, il voulait, je ne sais pas s'il voudrait cadrer le verre avec mon visage ou quoi. Mais c'est le meilleur caméraman, hein. Actuellement. Il a tellement bien filmé mon mariage jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit wow. Enfin, quand je te regarde, tu ressembles toi à ta fille. Là. Je suis sûr là. Je pense pas. Je pense pas. Oui, bien sûr qu'ils sont ensemble, ils sont. Combien de temps qu'on est ensemble? En fait, déjà le 22e anniversaire du mariage. D'ici là. Les jours est. Donc, je dois faire quelque chose pour toi. Un projet. Mais ça c'est très joli, hein, le modèle, je ne l'avais pas dit. Hein. Tu trouves. Merci, Merci, mon bébé. Moi, je pense miser sur la pêche. Chérie, vous savez, beaucoup, beaucoup confondent deux choses. La pêche, c'est une très bonne affaire. Hein. Je ne disconviens pas, mon chéri. Moi, je préférais qu'on investisse plus pour l'agriculture et l'élevage. Il faut pas. Ben, tu sais que tout le monde est dans ça. Est-ce qu'on ne peut pas innover? Non. Est-ce qu'on ne peut pas innover? Tel que moi, là, moi, personnellement, et si je faisais partie des autorités de ce pays, je muserais beaucoup plus sur la pêche. Nous avons au moins 4 couches de poissons dans ce pays, dans notre fleuve-là, il y en a. Monsieur mon amour, non utilisés. Monsieur mon amour, tu mises sur la pêche et moi, je me crée une petite et moyenne entreprise. Ah, là, tu quittes encore l'élevage. Ah? Pourquoi ne pas combiner les deux?
Et que chacun puisse avoir sa propre entreprise. Que chacun puisse avoir sa propre entreprise. Moi, je viens créer une petite et moyenne entreprise. Genre, tu vois le banane plantain. Le banane plantain, genre chips. Ouais. Tu vois un peu, c'est non? Si je vais faire ça, et puis je vais créer un lieu où tu pourras m'acheter 6 ST. C'est que vous appelez communément la quête. Oui, chérie. Je suis en train de gérer toutes ces voitures. Alors, toi, tu veux muser et dans les transports et dans ton truc là que vous appelez. Les chips. Les services traiteurs. Pas vraiment. Non, non. Mais moi, j'aurais préféré que ça soit tout un service traiteur. Les chips, là, c'est quoi? Avant, qu'est-ce que tu as fait ton temps là? Chérie. Non, moi, le reste, moi, je vais conserver. Que chacun gère sa part. Non? Que chacun gère sa thune. Toi là. Tu gères la tienne, moi, je gère la mienne aussi. Tu comprends? Moi, je vais investir. Dans le truc là, dans le transport, et puis créer une petite et moyenne entreprise, j'ai créé des chips, tout. Bon, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi je pense beaucoup plus à la pêche. Va à la pêche. D'ailleurs, je veux déjà contacter les entreprises. Et tu commenceras à aller seul sans moi. Hein? Oh, tu penses que moi je vais me déplacer? Non, mais je vais employer des gens qui sont doués dans la matière. On en discute, mais comme pour ça, que tu vas faire un tour aussi, papa. Oui, je vais juste m'imprégner de la situation. Par exemple, si les bateaux arrivent en Bandaka, je prends l'avion, j'arrive sur place, je vois comment ça se passe. Si tu prends un avion, je viens avec toi. Tu te fatigues pas de l'avion toi aussi. Hein? Mais fatigué comment? Tu vends l'Europe. Non, c'est pas que je ne me fatigue pas de l'avion, c'est que je ne me lasse jamais de toi. Tu ne comprends pas ça? Toi? Moi quoi? Arrête d'être jaloux. Viens, je vais te dire quelque chose. On va à la chambre, je vais te dire quelque chose. Où? À la chambre, je vais te dire quelque chose. Oh, non. Tu refuses. Hey, il y a des belles surprises. Hey, il s'agit d'une surprise. Si tu ne viens pas. D'accord, je ne vais pas hésiter. Parce non, que c'est une surprise. S'il te plaît, serre-moi manger. Tu manges quoi? Toi, tu manges combien de fois, Béma? Manger comment? À matin, tu mangeais. À midi, tu mangeais. Maintenant, à 15h, tu manges. Il y a quoi? Moi, les matins, je mangeais. À manger, à matin? Toi, tu m'as servi à manger, moi. Eh, maman, à matin, toi, tu manges les dîners. Bon, quelques minutes, tu viens, tu demandes, papa, maman, aussi, à manger. Il y a quoi? Moi, je te demande à manger. Tu parles. Mais oui! T'as un problème ici? Hein? Serre-moi manger. Merci de mes confrères. Mais déjà, on sait le bien de Belkier. Tu me sers. Attends, je n'ai pas discuté avec toi, ok? Papa Mandoki. Narco, c'est quoi ça? Maman, je lui demande à manger, mais non, il ne me sert pas papa, à manger. Viens, s'il te plaît. Il n'y a pas encore terminé. À manger à matin, à manger à midi. Il est atteignant. Est-ce que c'est ton problème? Il mange de matin et matin, maintenant à midi et matin. Elle a mangé le matin avant d'aller à l'école. Elle revient, elle te dit que non, elle veut manger. Hein? Papa, c'est quoi le problème? Hein? Mais il n'y a pas encore terminé. Mais c'est presque ta fille, elle est comme ta fille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Arrête de me prendre la tête, papa. Tu es quand même un vieux. Respecte-toi quand même. C'est quoi ça? Le courant, quoi? Mais chérie, c'est ça va le pas. Courant. À matin, il mange. À midi, il mange. Il mangeait tout le jour. Maintenant, il a tenu. C'est bon. Hein? Il n'y a pas encore terminé. Les viandes, il fait gros comme ça. C'est bon, papa. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais chérie, ça ne va pas. Moi, je ne supporte pas de bêtises comme ça. Qu'il sert l'enfant? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Le problème avec le monsieur, papa Mando s'explique qu'elle venait de manger tout à l'heure. Si. Papa, c'est à peine que je viens de rentrer à la maison. Et lui, il venait de servir qui? Je sais pas, papa. Moi et lui, on s'est vu seulement maintenant. Je sais pas s'il a servi qui. Papa Mandos. Papa, voilà, papa. Regardez. Il mange ici, un matin.
À midi, même les salles. Même les salles. Regarde les soupes. Tu vois les soupes? Bon, le problème, c'est quoi, papa? Attends. Ok? Je t'ai toujours dit, quand tu es devant moi, il faut y être calme. Hein? Apaise-toi. Reste calme. D'accord? Ça, c'est ta maman. Voilà. Quand elle crie sur toi, c'est par rapport à tout ça. Si. Si ma fille te dit, elle n'a pas mangé. Et la personne que toi, tu as servi ici, c'était qui? C'était pas elle. Parce qu'elle, elle veut de revenir maintenant. Oui. Alors, toi, tu as servi qui ici? Lui. J'ai servi lui ici. Bon, maintenant, il venait pour dire que, papa Mandoussi, je n'ai pas mangé. Bon, mais il est à Ténia. Attendez d'abord, bon, moi, je prépare bon, là-bas. Bon. Vas-y. Tu es un vieux papa, il faut savoir te respecter. Et voilà. Hein? C'est moi qui laisse l'argent ici. Si. Et c'est ta maman qui te gère. Non, c'est la femme qui... Tu la fermes. Elle veut me tuer. J'ai dit, tu la fermes. Tu titouer. Calme-toi. Merci. Monsieur, reviens. Hein? Reviens ici. Quand tu dis imbécile, là, tu insultes qui? Ma femme, moi, ou bien ma fille? C'est la langue maternelle. Faut savoir ce que tu dis deux fois. Voilà. Dis, arrange quelque chose là-bas à la cuisine. Et en plus, tu viens la servir. Y a le courant. Deux fois, il faut pas trop s'emballer à tout ça. Hein, bébé? Maman, ce n'est pas une chose de mettre la colère. Tu vois, le papa, c'est un vieux papa. C'est comme ton grand-père. Hein? Deux fois, quand vous ne comprenez pas, tu la laisses comme ça. D'accord? Tu es une grande fille, tu peux entrer à la cuisine, tu fais ce qui te semble bon et tu manges. Ok? On en parlera. Non mais attends, dis-moi, il y a combien de personnes qui sont dans cette chambre-là? Est-ce que l'enfant a accès dans notre chambre? Essaie de m'expliquer. Non, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? L'argent a disparu? Qu'est-ce que tu as dit que moi j'ai pris ton argent, c'est ça? Non mais attends, je suis persuadé que tu vas à perdre la tête. C'est ce que tu m'as dit? Comment expliques-tu cette histoire? Mais alors c'est ce que tu m'as dit, c'est ça? Tu me connais aujourd'hui ça fera combien d'années? Non mais attends. Tu me connais aujourd'hui ça fera combien d'années pour que moi je puisse prendre ton argent sans ton aval? Est-ce que c'est... Mais arrête, c'est attends, quoi ça? Sais-tu au moins que tout commence par un? Ah bon? Et alors? Moi je me traite de voleuse. C'est parce que j'ai dit... Aujourd'hui, après, je te fais mais attends, comment expliques-tu la disparition de cet argent? Mais maintenant, c'est toi qui as la clé de ton coffre, va. Moi, je t'ai vu là où tu as déposé ton argent. Non, mais attends, la clé, c'est toi. Raconte-moi que tu ne connais pas là où se trouve cette clé-là. Donc, dis-moi que tu es ignorant. Arrête, s'il te plaît, arrête. Tu me demandes d'arrêter. Non, mais attends. Je trouve absurde cette histoire. Je le trouve absurde. Tu te rends compte au moins de ce montant colossal qui est perdu? Non mais attends. Tu parles d'un montant colossal. Et tu penses que moi je peux dépenser cet argent sans ton aval? Le penses-tu? Mais c'est quoi ça fait toi, Ross? Où l'as-tu mis? Ne te fous pas de moi, ok? Je ne suis pas une voleuse. Et je ne te le permettrai jamais. Tu comprends, Ross? Tu me connais assez bien, Ross. Attends, t'ai-je déjà traité de voleuse? Tu es en train, c'est ça que tu es en train de faire, non? Je veux comprendre, je veux avoir la clarté sur cette histoire. Je n'ai rien, à clarifier. Pensez que tu veux penser, moi, je n'ai rien à clarifier. Ah donc, nous commençons à avoir de la spiritualité négative dans cette maison, c'est ça? Pardon. T'ai-je déjà traité de voleuse? Ah, laisse-moi. La maison, non? Oui. Et pourquoi tu n'as pas rangé la chambre des narcos? Hein? La chambre de ma fille, tu n'as pas fait ça? Non, je vais faire ça, maman. Je termine d'abord les ça, après je vais aller là-bas. C'est elle ta patronne, tu comprends? Avant de faire tout, tu dois d'abord te rassurer que tout va bien pour elle. Voilà. Ça va? Bon, va faire sa chambre. Ça a fermé là-bas? Tu as bien mangé, j'espère. Ouais, j'ai bien mangé. Tu as ton transport? Ouais, j'en ai. Va faire la chambre, si c'est verte. Va faire. D'accord, ma mère. Mon cœur, je t'aime. Prends bien soin de toi. Prends bien soin. À ce soir.
pas l'accuser là-bas. Sors un peu ici. Mais qu'est-ce qu'il a à voir? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? L'argent de ton père. Est-ce que tu peux le mettre en évidence? Soit disant, Est-ce que tu peux le mettre en évidence de cette histoire? Et toi, efface-toi avant de ta chambre. Mets-moi ça en évidence. Tu veux être mise en évidence, c'est ça? Ah, laisse-moi. Non, mais attends. Montre-moi l'entrée. Je ne sais pas si tu as perdu où. Où est-ce que tu as allé te promener? Si dans les bras de quelle fille tu as allé te jeter? Si c'est moi, je sais qui t'a piqué ton poignard. Et bien, je te pointe pour dire que moi, tu me laisses ton argent. Tu t'acharnes sur moi délire, dans ce sens-là. Délire pas. Non, attends. Lorsque toi, tu t'acharnes sur moi dans ce sens-là. Oui. Ah parce bon? Que c'est dernier temps que tu t'es déjà trompé. T'es déjà trompé, moi. Ah, ok, tu me rejoins. Tout en deux. Va demander à tes catins. Je suis là, vas-y, fais ce que tu veux faire, je suis là en face de toi. Je suis là, monsieur, je suis là. Tu sais très bien que je ne peux même pas poser ma main sur toi. Ah, laisse-moi. Mon temps colossal. Narco. Moukania. Narco 10. Narco, je te parle. Regarde. Qu'est-ce que tu as comme ça? Hein? Eh oh. Oh oh. C'est maman. Tu comprends? C'est que tu sois à l'aise, ok? Je le suis déjà. Non, mais attends, tu reconnais l'histoire de la fois passée. Non, moi je vais déjà tout oublier, ma chérie, t'inquiète. Ben, on s'était mis bec à cause d'argent, mais tout en oubliant que c'est nous qui les cherchons. C'est ça. Donc, présentement là, j'ai pensé à un autre projet. Puisque tu avais envie d'une petite et moyenne entreprise, moi je pensais cette fois-là, laisse-moi. Aller droit au but avec ma pensée. Ok, messieurs. Ne me contredis pas. Ok, messieurs. Voilà. Comme tu adores l'avion, j'aimerais ça que tu ouvres les chemins de Dubaï. Puisque tu adores les IST. Regarde comme tu fais au petit monsieur. Ah, mais. Comme tu es, toi. Finis d'abord, finis vite. D'accord. Puisque tu aimes les IST, sois à l'aise. Je me rends que tu ailles t'en acheter une trentaine. Putain.
tu vas les revendre. Combien? Une trentaine, bien sûr. Ouais. Tu es trop sous toi. Mais bien sûr que oui. On a parlé d'un montant colossal, mais maintenant, j'ai obtenu un montant très colossal. Ah, mon amour. Tu es mon plus beau cadeau, toi. Merci, merci, merci. C'est pour ça. Tu es trop adorable, monsieur. Merci. Maman, bonjour. Tu as l'air fatiguée. Non, tu es bon. Hein? Je t'ai pas fâchée. Depuis que je t'ai sortie, c'est maintenant que je suis revenue. Alors, on s'est vite demandé pour me demander si j'ai une bonne mine. Il y a quoi? Maman, je suis calme, n'est-ce pas? Oui, maman. Dis-moi, c'est une nouvelle façon que tu as adoptée pour jouer avec ta maman ou quoi? Comment ça, jouer avec ma maman? Mais tu ne peux pas me dire ça parce que toi, tu sors directement dans ta chambre et après avoir me manqué du respect ici parce que tu m'as boudé, moi. Maman, calme-toi quand je parle. Si tu avais tes problèmes à l'université, je suis ta maman et je t'ai toujours dit que je suis ta copine. Tu devrais me parler à moi. Maman, tu ne pouvais jamais faire ce que tu as fait pour me dire que non, maman, je viens d'arriver pendant que tu étais là. Maman. Tu sors maintenant dans ta chambre et tu viens là, tu veux maintenant jouer avec moi, c'est ça? Maman, je viens tout droit de l'institut. Va dans ta chambre, merci. Mais maman, je ne comprends rien. Je te pardonne, merci chérie. Maman Marie, ça commence bien. T'as fait un rêve ou comment? Je comprends pas. J'espère que ça va passer. Mais quoi? Qu'est-ce qui ne va plus se répéter? Ça, là c'est une blague de mauvais goût. Non, voilà. Attends, dis-moi, je suis sérieux. C'est à l'occasion de quoi ça? Je te dis que j'ai envie de boire. Mais c'est quoi ça? Tu perds la tête. Moi je perds de la tête. Travailler, tu me donnes de l'alcool. Et ça, tu le trouves normal? Los. Tu me prends pour un con? C'est quoi ces gestes-là? Mais Los, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es malade?